Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions d'actu. Cet été, vous n'aurez pas pu y échapper, les Pokémon sont de retour. Mais exit les cartes à jouer et autres consoles de jeux, Pikachu et ses amis ont cette fois-ci investi notre univers quotidien grâce à la réalité augmentée. Professeur des universités au sein du laboratoire Ibisque, Malik Malem est un précurseur dans le domaine de la réalité augmentée, un sujet qui occupe ses recherches depuis les années 80. Malik Malem, bonjour. Bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce que la réalité augmentée et comment est-ce que ça marche? La réalité augmentée est un paradigme qui permet d'augmenter en fait l'essence de l'utilisateur agissant dans son monde réel. C'était une vision d'un ingénieur-chercheur américain qui s'appelle Evan Sutherland, qui avait imaginé en fait la réalité augmentée telle que pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire munie d'un système à base d'un dispositif d'affichage, d'un ordinateur et de moyens de localisation. La réalité augmentée, on peut la faire de plusieurs façons. Donc soit en fait de façon directe, c'est-à-dire on voit une projection, par exemple une série de projecteurs qui projettent un virtuel sur le réel. Ça peut être fait en vision indirecte, donc via un écran. La réalité augmentée, en fait, dans ses débuts, elle était statique, était figée. Aujourd'hui, elle est plus mobile, donc on a plus tendance à vouloir naviguer et se faire assister. Voilà. Alors comment cela fonctionne? Donc en fait, ceci se fait par le biais d'un système numérique. Ce système numérique, en fait, utilise des capteurs et des actionneurs. Justement, ces capteurs ont pour objectif de restituer des informations d'environnement. Les actionneurs également, quand il s'agit par exemple d'une restitution haptique ou kinesthésique, à l'exemple des joysticks des jeux vidéo. Donc, un prérequis pour en fait un système de réalité augmentée, c'est la maîtrise de ces capteurs. Puisque pour pouvoir voir un objet virtuel superposé au réel, il faut que le point de vue réel coïncide avec le point de vue virtuel. Donc ça, c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est le suivi. Si on veut faire de la réalité augmentée mobile, en fait, il faut qu'il y ait ce suivi. Pour qu'il y ait ce suivi, il faut une algorithmie, c'est des algorithmes en fait capables de détecter un objet dans l'environnement. Pour que la réalité augmentée fonctionne, à minima, il faut ce qu'on appelle de la connaissance a priori, c'est-à-dire un modèle. Un modèle géométrique, voire physique, que le système numérique viendra en fait superposer à la réalité, en fait pour la compléter. Alors, des exemples pour compléter la réalité, par exemple, quelque chose de totalement textuel, c'est-à-dire on est en train de naviguer, on veut savoir de quel bâtiment s'agit-il, on va avoir juste une information textuelle. Nous sommes en train de naviguer, on veut retrouver notre chemin, on a une flèche qui va nous indiquer le chemin à suivre, un petit peu à l'exemple de l'application Paris Métro. D'accord. Et justement, alors, hormis Pokémon Go, quelles peuvent être les applications dans la vie quotidienne de cette réalité augmentée? Alors, la réalité augmentée, en fait, encore une fois, elle est née dans les laboratoires de recherche. Donc, elle est interdisciplinaire. C'est des laboratoires, en fait, d'informatique, de sciences de l'ingénieur, donc essentiellement du traitement de signal, de la synthèse d'image, de la vision artificielle, de ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire l'informatique pervasive qui permet de situer un utilisateur n'importe où. Et en fait, c'est dans ces laboratoires-là que les premiers tests ont été faits. Puis ensuite, en fait, il y a eu des travaux faits en robotique, notamment, pour ce qu'on appelle la commande prédictive, c'est-à-dire comment anticiper sur l'action du robot. Ensuite, il y a le secteur industriel. Le secteur industriel, notamment le secteur automobile, en fait, qui s'est beaucoup intéressé à la réalité augmentée, justement pour permettre au numérique de s'inviter dans le réel. L'intérêt du virtuel, c'est que la doc est incluse. Voyez, c'est-à-dire que le mainteneur arrive en fait avec des dispositifs d'affichage, généralement c'est des lunettes semi-transparentes, et en fait il y a une identification des pièces de moteur par l'objet d'amers, ce qu'on appelle des amers ou des marqueurs, qui sont en fait des marqueurs un peu comme les QR codes. Le système reconnaît le marqueur, fait une association entre le marqueur et une base de données dans laquelle il y a les pièces du moteur, affiche la documentation concernant la pièce et la procédure de maintenance. Et donc ça s'utilise déjà? Ça s'utilise déjà. BMW le fait déjà depuis une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Et vous parliez de lunettes, on peut penser à des Google Glass, on peut penser Alors, à ce genre de matériel. Au niveau des lunettes, les lunettes qu'on appelle semi-transparentes, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand je parlais tout à l'heure de réalité augmentée en vision indirecte, donc c'est sur écran, ça c'est plus ou moins maîtrisé. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les Pokémon Go, le jeu a été réalisé et puis téléchargé
il paraît considérablement de par le monde depuis la sortie récente. En fait, avec les lunettes, c'est une problématique un peu différente, parce que là, il ne s'agit pas de faire coïncider le point de vue artificiel qui est celui d'une caméra, puisque quand on regarde en indirect, on regarde par le biais de la caméra, et le point de vue artificiel qui est celui de la carte d'affichage graphique, qui affiche le virtuel. Là, il s'agit de faire coïncider le point de vue réel, c'est-à-dire les yeux de l'utilisateur, et le virtuel. Et donc, ça pose une problématique un peu différente. Et là, on n'en est pas en fait à faire de la superposition ou ce qu'on appelle de la réalité augmentée in situ, c'est-à-dire avec vraiment mise en contexte et suivi d'un objet d'intérêt. D'accord. Et alors, à quelles évolutions est-ce qu'on doit s'attendre en matière de réalité augmentée ? Alors, moi, encore une fois, je pense que la réalité augmentée est un peu le fruit des révolutions du numérique. Donc on a connu la révolution des micro-ordinateurs, la révolution de l'Internet, les smartphones qui suivent. La réalité augmentée, en fait, bénéficie des évolutions de ces technologies-là. Et quand ces technologies-là auront la maturité suffisante, je pense que la réalité augmentée, en fait, sera déployée largement. Alors aujourd'hui, en fait, les limitations, elles sont, moi, je dirais, pas forcément d'ordre scientifique. Alors, c'est surtout d'ordre technologique. En termes de localisation, il faut une précision meilleure. Aujourd'hui, effectivement, la précision est faite avec des smartphones qui nous donnent une localisation GPS inférieure donc à 10 mètres, de 1 à 5 mètres, comme je vous le disais tout à l'heure. On fait un suivi, on fait du traitement d'image. Le traitement d'image, il est connu pour être très instable, puisque le traitement d'image est tributaire des conditions de vision. C'est-à-dire, vous pouvez développer un algorithme de traitement d'image qui peut fonctionner le matin et pas le midi, parce que le soleil est au zénith. Et il peut ne pas fonctionner parce que vous êtes en situation de mobilité, vous avez un petit peu accéléré le pas, le système décroche et vous n'avez plus le suivi qui est assuré. Il peut en fait également décrocher parce qu'une occultation a masqué votre cible. Donc le suivi est perdu. Et le problème, c'est que quand il est perdu, il y a une phase initiale importante à faire pour justement avoir la pause initiale, et ça, généralement, ça induit un arrêt, en fait, du système. Merci Malik Malem. Je vous remercie.